Avant que la vidéo commence, je tenais à vous dire que j'ai rajouté pas mal de nouveaux produits, en plus des plus de 250 produits qui existent déjà dans la boutique. Vous pouvez y retrouver des t-shirts, des stickers, des bananes euh, et plein d'autres produits. Vous pouvez choisir les coloris et j'ai rajouté un code de réduction Oxy15 qui vous donnera 15% de remise sur vos achats sur votre panier. Allez, moi je vous souhaite un bon visionnage. Stop, stop, stop. Bonjour tout le monde, c'est Et Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft. Et aujourd'hui, les amis, eh bien, j'ai un truc de ouf à voir. Il y a un abonné qui m'a prévenu que euh, bah, le bateau euh, de pepito et Boulox avait coulé, mais pour une certaine raison, c'est parce qu'il y avait peut-être un trésor à l'intérieur. Donc, on va aller voir tout ça. En attendant, les amis, oui, il y a le feu derrière moi, c'est totalement normal. Comme d'habitude, mettez un maximum de pouces bleus et évidemment, eh bien, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Je sors des vidéos tous les jours. Je vous Rappelle qu'aux 600 000 abonnés, je ressuscite Manon. Je euh, vais voir jusqu'au euh, sur sa planète. Je vais faire plein de trucs. Donc abonnez-vous. Créez-vous un compte, ça prend deux secondes et voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent, c'est quand tu ressuscites Manon, tout ça, tout ça. et eh bien, c'est quand j'aurai atteint les 600 000 abonnés ou certains paliers d'abonnés. Et voilà. Et d'ailleurs, souvent, les gens qui me disent ça, ils sont même pas abonnés à la chaîne. Donc la plupart des gens qui regardent mes vidéos sont pas abonnés. Faites-le, ça prend deux secondes et c'est gratuit. Donc voilà. Alors, euh, time 7 6 5 000, Voilà, on va faire comme ça. On va remettre le jour quand même et je commence l'intro ici déjà pour faire une intro différente des autres et surtout parce que regardez, j'ai quelques petits trucs à vous présenter avant. Déjà, merci à ceux qui ont euh, commandé sur la boutique. Voilà, j'ai reçu encore quelques photos, j'ai pas eu le temps de tout fouiller dans mes DM Instagram, mais j'en ai vu quelques-uns. Donc voilà, là, il y a euh, un abonné qui a reçu. D'ailleurs, ça me fait trop marrer que vous vous faites toujours les mêmes photos à peu près devant une de mes vidéos et pile quand il y a l'intro avec euh, Oxymos et tout. Donc euh, c'est trop stylé. Donc voilà, il y a euh, un sweet euh, oxymose. Là il y a un mug euh, oxymose et euh, Nils. Donc là c'est Famille Oxymose. Là on a un suite famille Oxymose aussi. Et là on a un, un t-shirt famille Oxymose avec un sac oxymose et euh, Alicia donc voilà, merci beaucoup. Donc là, c'est une fille et là, c'est trois garçons, je crois. Donc merci beaucoup à vous, ça fait grave plaisir. Je vous rappelle que la boutique, bah, c'est toujours dispo, il y a toujours les produits et tout, ça fait plaisir. Et merci à tous les sponsors. Donc merci à Max 2.0, à Code Gugu, à Cookie Gamer, à Hayley, à Gacha Life FR, Jimmy Carvela, Benido, euh, Benido, je sais pas comment on dit. Et merci à Suntor. Donc voilà, tout est dans la description. Le lien pour devenir membre pour être remercié Le lien pour les t-shirts, le lien pour L'Instagram pour m'envoyer vos photos de, des produits Discord, Twitter et à toutes mes chaînes Youtube Donc voilà, bon l'intro est un peu longue je suis désolé Mais voilà, et je tenais à remercier Spécialement, donc voilà ces deux tours là Donc je tenais à remercier spécialement Les donateurs quand vous venez Quand il y en a qui font des dons, donc c'est pas obligé Mais sur mes lives, il bah, bon, y a des systèmes De donation, comme vous faites un don bah, Une association caritative et tout bah, Vous pouvez me faire des dons à moi pendant mes lives Ça permet de me soutenir, puisque je vous fais des vidéos gratuitement et du coup bah merci à Cookie Gamer et Gugu Juju à Code Gugu ils ont été ultra généreux euh, pendant le dernier live donc voilà je tenais à les remercier personnellement je vous fais plein de bisous alors les amis du coup je me suis arrêté devant cette maison parce qu'en live et eh ben on avait euh, continué la décoration de la maison je vous avais dit qu'on le continuerait en live avec euh, mon fils et du coup vous avez vous allez voir c'est assez spécial mais j'avais envie de faire une déco comme ça donc hop là on rentre dans la maison et là, regardez-moi ça. Donc on a vraiment un intérieur tout jaune. Cet étage-là, il est tout jaune. On a des rideaux jaunes, des posters jaunes, une lampe jaune, des fauteuils jaunes. On a tout en jaune. On a une petite télé et tout. Donc voilà, j'ai voulu faire un petit truc comme ça. Ici, coin cuisine. Même chose, tout en jaune. Euh, plan de travail, euh, tiroir, coffre, euh, siège voilà, et on a tout en jaune et je sais pas dites-moi ce que vous en pensez en commentaire mais je trouve ça vraiment ça donne un petit truc assez sympa, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir et euh, c'est ça reste quand même euh, c'est pas dégueu hein, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc après, euh, ici on a l'étage qu'on avait fait en vidéo. Donc euh, avec l'étage de Nils Enfin, la, la chambre de Nils, ma chambre qui est, reste sobre, mais que j'ai pas du tout modifié. Et là, la salle de bain, j'ai juste rajouté une porte. Donc voilà, on a ça. Et à côté, on a. Euh, non, bah, ça c'est déjà fait. Et alors, encore au-dessus, j'ai rien modifié parce que là, je sais pas encore quoi faire comme salle. Et ici, il bah, y a toujours la, la salle de Nils avec ses, ses blocs d'or. Et ici, là, il y a, regardez, donc j'ai fait un petit coin sympa. J'ai essayé de faire à peu près comme avant, mais toujours en rajoutant un nouveau truc. Ici, il y avait un bar, je me suis dit que ce serait plus approprié de mettre des, des canettes, des petites friandises et tout, c'est beaucoup plus sympa. Ici, un petit coin pour s'asseoir. Voilà. Euh, et ici, un petit coin, bah, carrément pour s'allonger avec les, les bouteilles au frais. Et là, on a, bah, la piscine, évidemment. Évidemment, ça fait plaisir. On est bon. Bon, voilà. Donc après, on va aller voir le, le bateau de Pepito et Boulox. Mais, mais voilà donc là c'était pour vous montrer j'adore ce petit coin je sais pas ce que vous en pensez avec toutes les barres et tout euh, c'est sympa on peut se commander on, on peut se commander une petite bar crunch des petits skittles allez une petite bouteille de de creeper cola euh, dites-moi votre boisson préférée moi je vais prendre euh, du under freeze ou du slime soda slime soda ça donne envie voilà slime soda il est il est là le, le slime soda donc voilà bon allez les amis on va descendre c'est fini pour la visite de la maison. Je finirai quelques détails dans mon prochain live. Euh, D'ailleurs qui, qui sera ce soir. Donc si vous regardez cette vidéo à, euh, au moment où elle sort, et eh ben, dans quelques. Dans une heure, une heure et demie, je ferai un live où je finirai. Je ferai le jardin, etc. etc. Donc voilà. Donc euh, restez connectés. Donc activez la cloche aussi, hein, c'est important. On va revenir à la maison et on va tout de suite aller installer. Enfin, euh, on va tout de suite. Euh, rien du tout installé euh, Mais on va aller d'abord dans la maison Mettre les cadres euh, des, des des abonnés dans la maison des abonnés Et après on va aller voir ce qui se passe dans ce bateau Ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé À mon avis Il a fait comme la maison Il a un peu pourri et tout parce qu'il a coulé Et on m'a dit qu'il avait coulé à cause qu'il était devenu beaucoup trop lourd Et qu'il qu y a eu un trésor Et que du coup là, le, les pièces d'or et tout ont alourdi le bateau Donc on va voir Ça coûte rien Hop hop, on prend les petites photos qui sont qui sont retranscrites là et on les ajoute à la maison des abonnés. Avec mais regardez-moi tous ces cadres, c'est incroyable. Regardez-moi tous, ces, tous ces abonnés et encore il n'y a pas les pour ceux qui suivent les vidéos depuis longtemps c'est pas toutes les photos. Déjà c'est juste les photos que j'ai réussi à retrouver et euh... et euh, c'est les photos qui datent de mon aménagement dans cette ville. Sinon, voilà. Vous aller... ben, savez quoi On va y aller en voiture. On va prendre ma petite voiture de ville. Voilà, ça fait plaisir. On est là, on se fait plaisir, les amis. Hop, voilà. Au moins, on prend un véhicule. Wesh. Ah, ouais, c'est vrai qu'il va hyper vite, les amis. C'est des moteurs que j'ai modifiés. Et regardez la vitesse. Bon, pour tourner, c'est pas encore le meilleur truc. Hein. Voilà, donc là, on est au bateau de Pepito et Boulox, les amis. Alors, c'est l'ancien bateau. Hein. Le nouveau, il est un peu plus au large. Voilà, il est ici. L'ancien bateau, vous avez vu Ah, les voilà, elles sont toutes déchirées. C ça me met trop mal à l'aise quand il y a plein de trous comme ça là. C'est euh... bizarre, j'aime pas trop quand il y a plein de petits trous. Ça me fait penser, vous savez, je, ra je vous raconte un peu ma vie, mais au trou des... des, des, euh... des comment ça s'appelle des, euh... des nids d'abeilles. Ça me, ça me gêne. Je suis. Il euh... y a un nom, c'est une phobie. De la phobie des... de tout... plein de petits trous. Dites-moi si vous avez ça, c'est grave bizarre. Moi j'ai ça. Voilà, j'ai cette phobie des... des petits trous, je crois que ça s'appelle tripophobie. Trypophob... Euh, J'aime pas du tout, voilà. Donc euh, là, ça me met un peu mal à l'aise, tous ces, ces trous dans les voiles. Alors, ah ouais, bon, ça a pas mal. Alors, attendez, je vais changer de shader. Je vais mettre le voilà, celui-là. Regardez, c'est quand même beaucoup plus réaliste. Ah ouais. Là, il y, y a aussi la phobie des fonds marins, je pense que vous allez la voir. Regardez, là, ça devient de plus en plus sombre. Plus on se, plus on se met en, en bas, plus ça devient sombre. Ça fait peur. Oh, ça fait quand même vraiment flipper. Dites-moi si vous avez une de ces phobies, je vous ai dit là. c'est jamais, voilà. Comme ça on fait, on, on fait un peu marcher les commentaires. Bon du coup, euh, là on est là pour récupérer un trésor. J'aimerais bien d'abord euh, réparer un peu la toile visuellement, que ça soit un peu plus joli, parce que ça me met quand même un peu mal à l'aise là tout ça. Euh, tac, voilà, on va réparer. On va réparer cette, cette toutes ces conneries. Et on va enlever les algues qui ont poussé. Que oui il y a des algues qui ont poussé du coup, visiblement. D'ailleurs, je vois qu'il y a. Je vois que. Voilà, même l'échelle elle est cassée. Bon voilà, je fais... Euh... C'est vraiment euh, de la petite réparation. Hein. Je vais pas. Je vais pas non plus. Euh... Voilà, je fais ça. C'était même pas comme ça de base. Tac, tac, tac. Après, je peux pas aller plus haut les amis. Je peux pas. Je peux pas voler. Hein. Je peux flotter, mais je peux pas voler. Voilà, donc on répare ça, après on va enlever quelques algues Mais surtout, nous ce qu'on veut voir c'est le trésor Les amis, c'est le trésor Est-ce qu'il y a un trésor ici Est-ce qu'il y a un trésor There is a trésor The trésor Je cherche un trésor Alors, des Je, je cherche des pièces, des blocs d'or des... des des, bijoux de valeur, il y a quoi ici Il n'y a pas, purée le bateau Il a été amoché de ouf ah, ouais, mais en fait, il a pas. Ça se trouve, l'abonné m'a dit de la merde. Ça fait peur quand même. Hein. On peut pas rajouter un peu de lumière là Ah, bah c'est beaucoup mieux avec de la lumière. J'en mets tout le long du bateau. Comme ça, on va voir s'il y a un trésor. Bon, il y a pas l'air d'avoir grand chose. On va réparer un peu le bateau quand même. Voilà. Purée, mais ouais, il est trouvé de partout ce bateau là. Voilà. Comme ça, au moins, on entretient un peu le bail. C'est vrai que c'est pas le meilleur truc. Voilà, Faudra mettre des éponges aussi. En fait, je fais un remake de ma maison en fait. Sauf que là, c'est encore plus sous l'eau. Et oui, j'ai la, la capacité de, de pouvoir respirer sous l'eau. C'est de la magie. Voilà, c'est de la magie. Hop. Voilà, en fait, faut que je fasse ça. Et après, je mets, je mets des éponges. Voilà, parce que là, j'ai quand même ma respiration, quand même, voilà. Hein, elle, peut, elle est pas, elle est pas infinie. Voilà, donc faut que je fasse ça, ça. Bon après, il y a l'eau qui, qui se remet euh, à fond. Mais vous avez vu là, déjà c'est mieux. Bon, on, on fera une vidéo en entière où on réparera tout ça. Hein. Bon, par contre, il n'y a pas de, je suis déçu, il n'y a pas de, il n'y a pas de trésor là. Moi, je veux devenir riche. Attends, j'ai besoin, j'ai besoin d'argent, les amis. Euh, je vous le cache pas, hein. j'ai besoin d'un peu d'argent. Alors, attendez pas un moteur ici. Ah mais... Ah c'est la chambre de Pépito ici. It is the chamber of Pepito. Attendez on va mettre... Euh, voilà. Ah bah ça fait du bien de... Voilà. Ah bah là il y a plus de... Là il y a plus d'eau, ça fait plaisir. Parfait. Bon il y a son lit, il y a son frigo, il y a quelque chose dans son frigo. Alors, attendez parce qu'il y a des blocs invisibles. Il y a rien dans son frigo. Il y a rien dans ce coffre. Ah là non c'est juste on peut pas l'ouvrir. Attendez la plupart des trucs on peut pas les ouvrir là. C'est quoi ce bordel? Euh. Ça, c'est. Attendez, il y a un coffre. Il faut l'ouvrir celui-là. Et ça, comment on ouvre? Je suis en train de tout casser. Je remets de l'autre partout. Bon, les amis, si ça se trouve, il y a un truc dedans. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Et là, ça va être un truc de ouf, les gars. Attention. 3, 2, 1. Est-ce qu'il y a quelque chose? Oh, mais il y a vraiment quelque chose! Oh, purée, tous les blocs d'or. Je prends. Je prends, les amis. Je prends. Ah, bah, bien sûr que je prends. Attends, vous m'avez pris pour. Wow, plein il de... y a plein de pièces d'or. Wesh, ouais, il y a 7 tas de pièces d'or et 20 blocs d'or. Eh, hey, mais il avait pas menti l'abonné, mais. Il y avait pas ça avant. Faut que je demande à Pepito. Euh, enfin, à Boulox. Parce que Pepito il a arrêté. Mais wesh Merde, je vais pas les mettre là. Non, 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 non. Et il y a quoi là-dedans Ah oh, purée, je fais n'importe quoi. Bouge de là, toi. Il y a quoi là-dedans Ah purée, on peut pas ouvrir ah bah ça, je pense que ça a jamais dû marcher. Ouais les amis, c'est pas des lol, il y a vraiment de, il y avait vraiment de des pièces d'or et de l'argent. wish On a, les amis, on a un trésor. Bon essayez de dire vos théories en commentaire, j'en ai aucune idée d'où ça peut venir, mais euh, bah moi je le prends. Hein. Écoutez, tant qu'il n'y a personne qui va me le réclamer, on va le garder, on va pas le dépenser tout de suite. On en a besoin. Euh, on va pas. Alors je me suis dit, vas-y, on va les mettre. Euh... J'ai tout de suite pensé à, on va les mettre dans la, la, à l'étage, vous savez, de la nouvelle maison de, bah, la maison qu'on vient de rénover où on a passé, euh, vous savez, la, la cachette secrète de, de, mon fils, mais non, on va le mettre dans le bunker secret. J'espère juste qu'il y a mon clone maléfique qui va pas venir, euh, vo, commencer à voler des trucs et tout, parce que là, ça me foutrait ça me fouttrait les boules. On va mettre ça ici. Il y a pas grand monde qui se met, qui se met là de base, donc voilà. On va se mettre là. Alors, on va les foutre, euh, on va les foutre ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. Et les 7 pièces d'or. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et voilà, les amis. Donc c'est notre but. Hein. On va le laisser là pour l'instant. Je ne sais pas à quoi ça sert. En tout cas, là, il y en a pour des milliers et des milliers d'euros. Je peux m'acheter une nouvelle voiture, peut-être une nouvelle maison avec ça. Il y a beaucoup d'argent là. Il y a l'équivalent de beaucoup d'argent. Après, faut revendre les pièces d'or et revendre l'or. Mais après, une fois qu'on les a revendues, on est riche, on est millionnaire, les amis. Je vous le dis. Voilà. Bon, bah ça c'est nickel, ça dit donc. Ça c'est vraiment sympa. Bon, bah les amis, écoutez, c'est une bonne nouvelle. Je suis très content. Et en plus, bah on a vu d'autres choses. Déjà, on a découvert que bah on va pouvoir peut-être, euh, on, on va pouvoir peut-être refaire des vidéos avec Bouloc. Ça fait longtemps. Euh, on va pouvoir aller voir. Euh voilà, euh, la rénovation du bateau, il y a plein de trucs à faire. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle touche à sa fin. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à la commenter. Mais ne partez pas tout de suite. Allez voir ma boutique de t-shirt. Commandez des produits. Et bah, vous les recevrez pendant les vacances. Donc voilà, ce serait vraiment cool si vous voulez les commandez maintenant. N Oubliez pas, il y a les lives. Ça, c'est vraiment important aussi. Il y a les lives, euh, tout ça. Vous pouvez faire des dons, venir euh, discuter et tout. C'est plutôt cool. Et voilà. Comme d'habitude, pensez à commenter, liker, partager. C'est le plus important. Et évidemment, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tout le reste c'est dans la description, y compris la boutique. Et moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était Oxymos pour vous servir. Allez, ciao, ciao.